trois jours après l'assassinat d'un militaire en pleine rue à Londres. Et la description rapide de l'auteur conduisait dès samedi à envisager la commission d'une action terroriste. Cela amenait le parquet de Paris, en accord avec le parquet de Nanterre, à se saisir des faits qualifiés en tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. D'abord le visionnage des vidéosurveillances du centre commercial des Quatre Temps et de la RATP, qui ont ainsi permis de constater que l'auteur des faits avait fait, c'est très précis, à 17h46, une prière musulmane avant de commettre l'attaque à 17h54, soit 8 minutes après.